Avez vu Ron Burgundy 2? C'est une comédie débile qui explique parfaitement comment fonctionnent les médias aujourd'hui en grossissant une nouvelle, en ajoutant des surtitres épouvantables et avec les chaînes de nouvelles continues, avec Internet, bien évidemment, on fait énormément de millages avec ces nouvelles-là. Ce qui fait qu'on a l'impression que ces drames-là épouvantables se produisent constamment, qu'il y a toujours une menace qui est là, qui est réelle, qui nous attend au détour. Donc, la peur, qui était pour notre, un phénomène qui nous sert à survivre, devient quelque chose qui nous paralyse. On devient une société qui est anxieuse en permanence. J'ajoute à ça que on sait qu'il y a des données qui nous disent exactement le contraire et qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus sûr. En fait, le taux de criminalité dans les pays industrialisés dans le monde en ce moment baisse de 2 à 3 % par année depuis 20 ans. Ça vous donne une idée, là? Ce que ça veut dire, là, c'est que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, là, est énormément plus sûr, plus sécuritaire que dans le monde dans lequel on vivait autrefois. Et pourtant, nous-mêmes, on s'accorde moins de permissions et on accorde évidemment, je vais filer cette idée-là des enfants, moins de permissions à nos enfants que nous, on en avait à l'époque. En fait, il faut avoir 14 ans aujourd'hui pour avoir les permissions que nous, on avait quand on avait 8 ans. Donc, c'est à peu près ça le barème, si vous voulez. Ça provoque deux choses dans la société. Et là, j'arrive à la limite du feedback. Et c'est l'atteinte du risque zéro. La volonté d'atteindre le risque zéro, de ne plus jamais, jamais, jamais prendre de risque. Plus pour nous, plus pour tout ce qui nous est cher. Sauf que le risque, c'est ce qui nous permet d'apprendre. Et dans ce climat-là, de vent contraire, où on dit « il faut prendre des risques, c'est important », où on vénère aussi les gens qui prennent des risques. Regardez comment on vénère les Warren Buffett de ce monde, les grands entrepreneurs, comment on les aime, les artistes qui prennent des chances épouvantables. Eh bien, ces gens-là, on est incapable de reproduire ce que nous, on considère comme un courage impensable, qui est de prendre des risques, d'essayer de faire des choses, de sortir un peu du moule, de prendre la chance de se casser la gueule, parce que nous, on veut l'atteinte du déficit... pas du déficit. C'est un... Je ne l'ai pas dit, mais je me présente pour le Parti libéral aux prochaines élections. L'atteinte du risque zéro. Je vais essayer d'en venir parce que... Je suis comme Yvon Deschamps, je suis mon meilleur public. Sauf que prendre des risques, ça s'apprend. Puis si on se nie, et on nie, comme on le fait pour nos enfants, on se nie à nous aussi l'apprentissage du risque, bien à ce moment-là, on n'est plus capable de fonctionner. Puis là, on vit dans un monde où on aurait le goût de prendre des risques, où on sait que toute forme d'entreprise qui va nous grandir, qui va nous permettre d'avancer, vient avec la prise de risque, mais on ne sait pas comment faire. Avec des générations qu'on a biberonnées, qu'on a bichonnées, étrangement, sont apparus en parallèle des phénomènes qu'on n'avait pas vus vraiment avant venir, des sports extrêmes, mais aussi des comportements extrêmes. Il y a des travailleurs sociaux, je pense à Michael Ungar, qui a beaucoup travaillé avec les délinquants et qui dit... Les pires délinquants, ce sont généralement des enfants auxquels on n'a jamais appris à prendre des risques. Donc, ce sont des gens qui vivent dans un climat où ils sont surprotégés en permanence, mais un jour, ils veulent vivre une expérience qui va les changer, ils veulent évoluer, ils savent que cette évolution-là va passer par la prise de risque. Et donc, comme ils n'ont jamais appris comment apprendre, mais ils vont prendre des risques imbéciles. Et c'est un peu ce qu'on fait nous aussi souvent. Quand on regarde la façon qu'on a d'envisager les risques nous-mêmes, bien, on va avoir peur de prendre l'avion, même si on sait qu'on est
des milliers de chances supplémentaires de mourir dans un accident de voiture, parce qu'on prend notre voiture tous les jours qu'il y a des accidents constamment. On va prendre des risques inconsidérés pour un paquet de choses, à l'inverse, par contre, avec le crédit, par exemple, où les familles sont endettées à 160 % aujourd'hui. On n'a pas d'épargne. Et donc, on augmente encore plus notre peur de plus avoir d'emploi, de devenir pauvre, comme moi qui regarde les nouvelles économiques en grinçant des dents. Mais à l'inverse, on prend des risques inconsidérés d'un côté, mais on n'est pas apte à en prendre les risques qui vont nous faire avancer de l'autre côté et qui, eux, comportent assez peu de chances de nous nuire, finalement. On ne fait pas le calcul comptable de ce qui entre dans la prise de risque. Excusez-moi, je veux juste voir où est-ce que j'en suis. Donc, ce calcul comptable-là est finalement assez simple. Quand on prend un risque, il faut juste réfléchir et prendre du recul. Le climat dont je parle, c'est un climat où la raison a pu prise, où ce sont les émotions, principalement la peur, qui nous empêchent d'avancer. Peur de ce que les gens vont en penser, peur aussi de se planter, peur d'avoir l'air fou, et peur de se ruiner, Donc, ces peurs-là, elles sont là constamment, elles nous empêchent beaucoup d'avancer. Et quand on réussit à penser autrement qu'avec cette peur-là, bien là, on réussit à prendre des décisions sensées, mais surtout, on réussit à prendre des risques calculés intelligemment. Il faut penser le risque comme un calcul comptable, comme d'un côté les avantages, de l'autre côté les inconvénients, réussir à se sortir justement de cette torpeur-là, parce que sinon, on entre dans ce climat anxiogène-là qui nous paralyse tous littéralement. C'est valable à l'échelle intime. Si vous ne prenez jamais de risques, vous ne serez jamais en amour avec quelqu'un qui va vous aimer aussi, vous n'aurez jamais d'enfants, vous achèterez surtout jamais de maison, etc., etc. C'est valable aussi pour les amitiés, c'est valable évidemment en affaires, c'est valable sur le plan social aussi. Si on ne prend jamais de risques sur le plan social, évidemment, il ne se passera jamais rien. Et on vit une époque où la prise de risque est de moins en moins intéressante. On est plutôt à une époque où on essaie de patcher ce qui ne fonctionne pas, essaie d'imaginer comment on pourrait réparer la société, pas comment on pourrait avancer en société. On n'a pas de projet, on est à l'urgence en ce moment comme société. Et donc, je pense qu'il faut repenser cette idée-là du risque. Il faut repenser aussi l'idée qu'on se fait de l'échec, qui n'est pas la fin, qui est une étape. On voit l'échec comme quelque chose d'épouvantable. Les gens vivent l'échec. Quand on parle à des gens, par exemple, là, qui vivent des problèmes de suicide, là, j'ai des amis qui travaillent dans ce milieu-là, dans la prévention du suicide. Souvent, les personnes qui ont des problèmes, des pensées suicidaires, ils pensent que leur échec ou leurs échecs sont une fin, qu'ils ne pourront jamais aller au-delà de ça et qu'ils sont devenus cet échec-là. Or, je pense qu'on a de plus en plus ce sentiment-là que, comme société aussi, nos échecs sont impossibles à surmonter et qu'on n'est plus capable d'avancer et qu'on se résume à ces échecs-là. On dit toujours « le modèle québécois est mort » ou « on ne peut plus se permettre ce genre de choses-là »,« économiquement, c'est pas viable », etc., etc., etc. Mais on n'essaie pas d'imaginer comment ça pourrait être autrement. Et c'est peut-être ça qui nous empêche d'avancer aussi et qui crée le climat social dans lequel on vit aujourd'hui, c'est cette peur-là d'imaginer le monde autrement qu'il est aujourd'hui. Puis, c'est un peu ce que je nous souhaite, en fait, c'est de s'éloigner un peu de ces vents contraires-là, où d'un côté, on a le vent qui pousse, qui dit « le changement est bon ». Regardez ces gens-là qu'on admire, regardez ces sociétés-là qu'on trouve extraordinaires, qui font des choses qui les font avancer, qui osent. Puis regardez ce vent contraire-là aussi qui pousse dans l'autre sens, au moins aussi fort, et qui nous dit que la prise de risque est dangereuse, si on échoue, on ne se relèvera pas. Il faut s'éloigner de ces vents contraires-là et dire, considérons chaque bourrasque pour ce qu'elle est finalement. Est-ce que cet échec-là est si grave que ça? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut encore prendre des risques? Moi, c'est ce que je vous souhaite. Puis, c'est un peu là-dessus, sur cette idée-là que je vous laisse aujourd'hui.
Est-ce qu'on est capable d'avancer encore? Est-ce qu'on est capable d'aller au-delà du climat puis de prendre justement des risques de manière sensée, en s'éloignant de la peur, en réfléchissant, en faisant l'opération comptable de ce que c'est la prise de risque, donc la gestion de ces risques-là? Merci beaucoup. Merci.